Voilà. Là, c'est Grudnova, alors que vous avez aperçu le total de Ristakieva qui est 13e du concours. La rondade sur le tremplin, le flip et le salto arrière corps tendu avec une vrille. Donc un saut commun chez les féminines que l'on appelle le Yurchenko. Du nom de l'ex-championne du monde qui avait inventé cette rondade sur le tremplin. Voilà, c'est alors. Très joli d'ailleurs. Le ralenti nous permet d'apprécier l'impulsion bras et la tenue du corps dans la vrille. Corps presque tendu, elle a légèrement carpé sur la fin. Deuxième saut maintenant, puisque l'épreuve en comporte deux. Bon, c'est dommage que Grudneva ait manqué son exercice au sol. Elle a perdu ses chances de monter sur le podium. Et c'est son dernier regret avant la fin de ce concours. Et je ne pense pas qu'elle soit sélectionnée dans l'équipe de la CEI, parce que Grudnova Elena représente ce soir la Russie, et que pour l'équipe de la CEI, eh bien, on va se bousculer au portillon. Voilà, le deuxième saut identique, un petit peu mieux maîtrisé à la réception. Jambes bien jointes lors de la réception.